1 milliard de personnes seraient concernées par la sous-alimentation. La FAO pragmatique qui cherche les protéines là où elles se trouvent. La culture des insectes, l'entomoculture donc. Un concentré de protéines, de lipides et de calcium. Il demande 10 fois moins de céréales et d'eau que le bétail pour autant de protéines. Encore faut-il savoir cuisiner ces insectes. Mais ici au Laos, ce sont des compléments alimentaires essentiels et délicieux. Les insectes comestibles, ça fait un moment qu'on en entend parler. Ils sont bons pour la santé, ils consomment que très peu de ressources et sont donc une bonne solution pour garantir la sécurité alimentaire des 9 milliards d'êtres humains prévus en 2050. D'autant plus qu'on pourrait considérer qu'éthiquement, il vaut mieux manger une poignée de criquets plutôt qu'un petit veau tout mignon. Ok, c'est cool. Et concrètement, la consommation d'insectes chez nous, ça se présente comment aujourd'hui ? Oh non, quelle punition abominable! Ces pauvres candidats vont être obligés de consommer un aliment riche en protéines et en calories sur cette île où la bouffe est super rare! Ouais, manger les insectes quand ils sont encore vivants, c'est peut-être pas la meilleure façon de les apprécier. Mais du coup, comment on les prépare? Telle est la question qui nous occupe aujourd'hui. En Occident, on a encore un petit peu de mal à visualiser comment l'entomoculture, la consommation d'insectes, pourrait s'insérer dans nos assiettes. Les gens ne voient pas les insectes comme des vrais ingrédients qu'ils pourraient utiliser pour de vrai dans leur cuisine, mais plus comme des nuisibles un petit peu sales. Seulement voilà, près de 2 milliards d'êtres humains en mangent autour du monde. 1900 espèces sont consommées dans près de 80% des pays, et pas seulement parce que c'est nutritif ou bon pour l'environnement. Si les insectes sont aussi populaires autour du monde, c'est surtout parce que c'est super bon. Non, si, c'est pas possible, si, 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 arrête, si, si, tu déconnes. Si, non. Incroyable. Ça, c'est quelque chose qui manque chez nous. On n'a aucune gastronomie des insectes en Europe. Quelles sont les espèces qu'on mange autour du monde? Comment est-ce qu'on les prépare? Quelles sont les spécialités culinaires à base d'insectes? C'est ce que nous voulons découvrir. Nous allons visiter 8 pays autour du monde. Notre but est d'en apprendre plus sur les façons de cuisiner ces ingrédients à 6 pattes. Et de comprendre quelle place ces recettes occupent dans leur communauté d'origine. Et on pourra présenter ces recettes dans les petites vidéos dynamiques genre filmées du dessus pour donner trop faim aux gens avec des plans serrés sur les insectes qui croustillent. Au programme. Yes! Et pour cet épisode 1, chers internautes, nous vous emmenons au Japon. Mais en fait, c'est où le Japon déjà? Entre la tradition et la modernité. C'est bon, on a retrouvé la tour Eiffel. Elle était pas très bien cachée. Ils ont essayé de la repeindre pour la camoufler. Mais on a l'œil. Ces cartes ne disent pas grand-chose. Elles se tiennent quoi? Ça s'accorde. L'adjectif quoi s'accorde. Ah pardon, elles se tiennent coït. On a pris la route depuis Tokyo avec notre voiture de location en compagnie de l'équipe de télévision japonaise qui sont là et qui nous suivent du coup depuis l'aéroport. C'est assez rigolo. Lui c'est Kazu, chef de l'émission Why Did You Come to Japan. C'est une émission de promotion du tourisme au Japon qui passe le soir sur une chaîne de télé nationale. Son équipe interview les arrivants à l'aéroport sur les raisons de leur visite au Japon. Et comme notre sujet les a interpellés, il nous accompagne pour qu'on découvre tous ensemble l'entomoculture nippone. Au menu des insectes japonais, on trouve des criquets, des vers à soie et des larves de trichoptères. Mais la première étape de notre trajet nous mène à Kushihara, dans la préfecture de Gifu, une région spécialisée dans les larves de guêpes et de frelons, des insectes typiques des régions forestières et montagneuses. Et pour découvrir tout ça, ça tombe bien, on arrivait pile pendant un événement un peu particulier. Et nous voici donc arrivés de bon matin sur le terrain du festival de la guêpe de Kushihara. Ça a l'air plutôt mignon. Ce festival est l'un des nombreux événements de la région, célébrant l'élevage et la consommation de la guêpe pendant l'automne. Les visiteurs y affluent depuis les villages environnants pour s'approvisionner en larves de guêpe directement auprès des éleveurs qui y amènent leurs ruches arrivées à maturité, prêtes à être dépiautées et dégustées. C'est aussi l'occasion pour ces éleveurs de participer au très populaire concours du plus gros nid. Kushihara no Nibonos Contest wa それぞれの家で飼っている
手放すを持ち寄ってその大きさを測って競い合うお祭りです。優勝者の方には賞状があって、 Cette année, les plus lourds dépassaient les 6 kg. Et à 60 euros le kilo, autant vous dire que ça représente un petit budget pour le visiteur qui vient refaire son stock de larves. Enfin, ceci dit, ça n'a pas empêché les éleveurs de vendre absolument tout leur nid. Et それにちなんで、ヘボゴヘとか、ヘボご飯といったヘボにちなんだ、お土産とか食べ物が売られるのもこのヘボ祭りの楽しみです。なので、人々はそんな、雰囲気を楽しみに今日毎年来てみるようです。Mais au fait, comment ça s'élève un nid de guêpe? Eh bien, le président de l'association de conservation de la région, Monsieur Oshima, était là pour répondre à cette question. Cet ancien pompier élève des guêpes chez lui depuis un bon moment et a gardé un nid au chaud exprès pour nous faire la démonstration. Ce qu'il faut bien comprendre avec les guêpes, c'est qu'on ne maîtrise pas leur reproduction. Du coup, ce n'est pas à proprement parler de l'élevage. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de déterrer leur nid, l'abriter, le nourrir et le récolter quand il est suffisamment gros. Donc tout d'abord, au printemps, on appâte une guêpe avec un morceau de viande attaché à un petit drapeau blanc, ce qui permet de la suivre jusqu'à son nid. On déterre le nid, on le place dans une ruche et il n'y a plus qu'à nourrir les insectes avec de l'eau sucrée et de la viande, généralement du calmar ou du foie de volaille. Et en automne, quand le nid est suffisamment gros et que sa biomasse s'est bien agrandie, on le sort de sa boîte et on extrait les larves une à une. Allez, un petit point entomologie. La reine des guêpes pond ses œufs dans les rayons en commençant par les cellules du centre, puis en s'éloignant vers l'extérieur. Une fois éclose, la larve grandira et se transformera en nymphe dans sa cellule, avant de devenir une guêpe adulte et d'être prête à sortir. C'est pour ça que plus on se rapproche du centre, plus les insectes sont matures. Ce qui se mange généralement chez la guêpe, ce sont les larves et les nymphes. Sur le festival, on peut les consommer avec du riz ou confite, ou même sous forme de gohei mochi, des gâteaux de riz caramélisés au grill dans une sauce sucrée avec des guêpes concassées. Eh bien, c'est absolument délicieux, c'est sucré, c'est un petit peu salé, et waouh, c'est super bon. Je comprends pourquoi ils en ont plus dès 11h, quoi. Et il y a des petits morceaux de guêpes dedans. Dans la région, on mange aussi des larves de frelons asiatiques. Pour trouver les nids, c'est à peu près pareil que pour les guêpes, sauf qu'on ne les élève pas dans une ruche à côté de la maison. Quoi ? Et pourquoi je pourrais pas ramener un essaim d'insectes tueurs chez moi, là où j'habite ? Oh, je vois. En effet, les frelons sont beaucoup plus dangereux que les guêpes, puisqu'ils peuvent être mortels. Du coup, le nid est déterré et les larves sont récoltées immédiatement. Si vous voulez une démonstration, nous vous recommandons l'excellent documentaire Bugs du Nordic Food Lab. Ici aussi, ce sont les larves qu'on mange. Les frelons adultes, quant à eux, ont une application un peu plus rigolote. Oh là là, c'est du saké de frelon. Le saké au frelon. Waouh, il est énorme. That's a bit much. Dormo. Dozo, papai. Je m'y connais pas assez en saké, honnêtement, pour me rendre compte si ça donne du goût, mais c'est extrêmement stylé. Quand leur nid est déterré, les frelons adultes sont capturés dans des jars d'alcool, comme du saké, du shochu ou du whisky, et laissés à macérer pendant plusieurs années dans l'objectif de donner du goût à l'alcool. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. It's dead. Looks like being drawn in sake for warm air is not good for health. Oh non, elle est en train de se noyer. Vite, il faut que tu la sauves en buvant tout le saké. Wow. Ouais, hein. C'est bon. It's good. C'est bon. Good. It's really good. Oh, thank you. Merci. C'était plutôt une bonne idée de commencer par le saké. Comme ça fait de la place pour toutes les autres spécialités locales et on va en avoir besoin. C'est un bon plan de commencer par le trou guifois. C'est quoi ? C'est la région de Gifu, donc... Comment offenser une Normande ? Pas folle la guêpe, comme qui dirait. Oh la vache. Oh, et oui. Ferme cette caméra. Comme vous le voyez, sur la fin, ce festival est un peu devenu la foire aux calembours pourris. On était fatigués. Eh oui, je l'admets, cette blague n'était ni bonne ni mauvaise. Je vais te confisquer ce micro. Aïe. Mais les guêpes et les frelons ne sont pas les seuls insectes consommés au Japon. Nous avons rencontré le professeur Nonaka, spécialiste en insectes comestibles, et pour en apprendre plus sur les autres bestioles au menu, il nous a emmenés à Hina, dans la préfecture de Nagano, pour nous présenter à Monsieur Tsukahara. Dans sa boutique, Monsieur Tsukahara prépare et commercialise de nombreuses spécialités locales, comme des anguilles, des petits poissons et aussi des insectes. On a tout d'abord le criquet, capturé dans les champs de riz. Ensuite, nous avons les larves de guêpes. Et enfin, nous avons les nymphes de ver à soie. Et donc ça, ce sont les zazamushi, qui sont aussi très très populaires. Les ver à soie sont importés de Chine, mais les autres insectes sont capturés autant que possible dans la région environnante. Les larves de trichoptères, ou zazamushi, sont collectées dans les rivières en hiver.
Pour les attraper, il faut patauger avec de grosses chaussures harnachées pour les faire sortir de sous les cailloux, afin de les capturer dans le filet prévu à cet effet. Les guêpes, quant à elles, sont capturées dans la montagne. Elles ne sont pas élevées comme celles de Kushihara, puisque les chasseurs de guêpes rapportent directement les nids déterrés à Monsieur Tsukahara. Ou alors, à la limite, ils les abritent dans des ruches dans la forêt, mais en les laissant se débrouiller pour trouver à manger. Résultat, c'est quand même vachement moins cher. Mais les insectes les plus populaires de Monsieur Tsukahara, ce sont ces criquets. Alors dites-moi, comment on les capture cela ? The old days, people usually just go rice field and use their hands to pick. But the man who took these insects told him, like he tried just use bike, boat bike. Ok, quoi, en moto ? Comment ça marche ? To put the net and besides the bike and he just run. D'accord. Mais ce n'est pas risqué de collecter des criquets dans les rizières ? Il n'y a pas de pesticides ? Et non, car les agriculteurs du coin font exprès d'y aller mollo sur les produits phytosanitaires pendant la saison des criquets, pour que ceux-ci puissent être capturés et consommés sans danger. Et aussi, de toute façon, le riz est déjà prêt à être récolté à ce moment-là, donc ça va. C'est super ! Mais du coup, ils sont préparés comment, ces criquets ? Eh bien, ma chère Annie, cette transition est fort habile, car je pense qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet et de parler des méthodes de préparation des insectes. Toutes les recettes japonaises à base d'insectes sont en fait directement issues des méthodes utilisées par les Japonais pour préparer d'autres plats. Monsieur Tsukahara, par exemple, cuit tous ses produits avec la même méthode, le tsukudani. Habituellement utilisée pour préparer du poisson et des fruits de mer, c'est une technique qui consiste à faire bouillir la viande dans de la sauce soja, du sucre et de l'alcool pour la conserver plus longtemps. Et c'est une méthode particulièrement délicieuse. Oishi. 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 Très 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 sucré, très très savoureux, ça croustille bien. This one was a female. On nous a dit que c'était la même recette, la même préparation pour les trois insectes. Je trouve ça assez fou parce que le goût est extrêmement différent. J'ai du mal à reconnaître que c'est la même préparation pour les trois insectes. C'est assez fou. C'est vraiment une chouette façon de préparer les insectes. They don't eat so much, so they put small dishes and serve with rice. Et pour en apprendre plus sur les recettes à base d'insectes, nous avons rencontré Madame Oshima, une cuisinière professionnelle à la retraite de Kushihara. Elle nous a fait un atelier cuisine sur mesure pour nous présenter les méthodes de préparation de leur spécialité locale, les guêpes et les frelons. Et elle aussi utilise la méthode du tsukudani. Tout à fait. Sauf que Madame Oshima, rien ne l'arrête. Elle l'utilise sur des guêpes adultes. Comment ? Mais je pensais que seulement les larves et les nymphes étaient consommées chez la guêpe d'habitude. Habituellement, oui. La cuisine à base de guêpes et de frelons est très focalisée sur les larves. Seulement voilà, Madame Oshima développe des recettes pour utiliser aussi les insectes adultes qui sont habituellement jetés. On sèche un coup les guêpes au soleil, puis on retire les dards, les pattes et les ailes. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à les faire frire un coup, ajouter de la sauce soja, du mirin, du sirop de sucre, et hop, on fait bouillir. C'est genre un snack sympa, salé, un peu amer. With beer is good. Ah yeah, yes, I can see why. C'est vachement chouette. Dans la même veine, Madame Oshima frit les insectes dans de la pâte à beignet pour en faire des tempura. Et là aussi, elle utilise non seulement des larves de guêpes, mais aussi des guêpes adultes, et même les frelons qui ont macéré dans l'alcool pendant plusieurs années. Le résultat est délicieux et bien croustillant, bien que les frelons adultes soient un chouïa coriace. Une autre méthode de préparation des insectes, c'est de les faire frire avec un peu de beurre et de les incorporer dans du riz, tout simplement. C'est moins technique, mais qu'est-ce que c'est savoureux ! Elles ont un goût un petit peu marqué quand même. Quand ils coagulent, ça te donne une texture et une saveur. T'as un petit peu un goût d'œuf très assaisonné. Ce sont des nymphes de frelons. Les frelons sont extrêmement difficiles à obtenir. Ah là, pour le coup, on a énormément de chance de pouvoir goûter ça aujourd'hui. Ça a genre un goût de viande grillée, de viande au barbecue. Et c'est vraiment, vraiment un délice. Donc ouais, la méthode de faire frire des trucs pour les cramer dans une poêle, c'est une technique qui marche assez bien sur pas mal d'ingrédients. Et du coup, ça marche aussi pour des larves. Ah oui, mais c'est normal ça, c'est la réaction de Maillard. La quoi ? Ok, petit aparté sur la réaction de Maillard ou la méthode magique de pourquoi quand c'est cramé, c'est trop bon. Donc, la réaction de Maillard est une réaction chimique entre les sucres et les protéines qui survient lors de la cuisson des aliments. Sous l'effet de la chaleur, les sucres se fixent sur les acides aminés et produisent des acrylamides, qui sont entre autres responsables de la saveur de la viande grillée. Or, dans le monde des insectes, les larves et les nymphes correspondent à des stades de développement où les bestioles ont stocké beaucoup de réserves d'énergie. Faut bien qu'elles se métamorphosent en insectes adultes. Qui dit énergie dit sucre, dit réaction de Maillard quand tu les fais griller. D'accord, donc c'est pour ça que quand tu fais cuire un frelon adulte, il est un petit peu coriace, mais quand tu fais griller une larve de frelon, elle est délicieuse avec une bonne saveur de viande grillée comme on les aime. Exactement. D'ailleurs, faire griller les insectes
insectes est l'une des méthodes les plus répandues pour les préparer, et je suis prête à parier qu'on en verra beaucoup pendant ce tour du monde. Et que plus l'insecte aura stocké de réserves énergétiques, plus il sera savoureux. En parlant de larves et de nymphes, Monsieur Oshima avait une petite surprise en réserve pour nous. L'une des spécialités culinaires du Japon, ce sont les sashimi, des tranches de poisson ou de viande fraîche qu'on peut déguster crues avec de la sauce soja et du gingembre. Du coup, aucune raison de ne pas appliquer cette recette aux insectes, n'est-ce pas? Voici donc les sashimi aux guêpes. J'ai jamais goûté rien de semblable, c'est vraiment très intéressant. La texture se rapproche beaucoup du fruit. En fait, c'est ça, ça me fait penser un petit peu à du lait de coco. C'est assez rigolo. Bon, pour être honnête, manger des larves vivantes, au début, on était un peu dubitatif. Non, moi ça allait. Mais franchement, les voir comme des sashimis délicieux à la crème coco, ça les rend tout de suite plus intéressantes. Et puis au moins, elles se tortillent pas. Et on va pas se mentir, ça aide. Comme quoi, nous on était en mode « Oui, il faut changer la mentalité des Français pour qu'ils mangent des grillons !» Mais au fond, nous avions beaucoup à apprendre nous-mêmes. Et quelque part, voyager, c'est un petit peu partir à la rencontre de soi-même. Comme pour toutes les viandes, il vaut mieux cuire les insectes avant de les manger, pour éviter les risques sanitaires. Ceci étant dit, on peut consommer les larves crues, tout comme les autres types de sashimi, à condition qu'elles sortent d'un nid frais et que leurs cellules aient été protégées des parasites par les petits opercules en papier. Et puis bon, franchement, on parle du risque bactériologique, mais on est le pays du camembert au lait cru, mec! La nation française se rit du risque sanitaire! Ah oui, comme dans les années 90, quand on se baffrait de steak en provenance du Royaume-Uni? Absolument! En bref, la cuisine japonaise aux insectes est un reflet de la cuisine japonaise traditionnelle tout court. Mais il y en a un qui a décidé de ne pas s'arrêter là. Retournons à Tokyo pour un petit cours de cuisine. Monsieur Shoichi Uchiyama est un auteur et éditeur qui s'intéresse de près aux insectes comestibles. Et nous sommes arrivés au Japon pile au bon moment pour assister à son atelier culinaire. Du coup, on a pu cuisiner du risotto à la larve de frelon, des tacos sucrés à la guêpe adulte et des falafels à la mue de cigale. On fait une boulette de viande végétarienne à partir de pois chiches et ensuite on ruine son végétarisme avec de la poudre d'insectes. Voilà. Et c'est là que j'ai jamais entendu parler d'un insecte où on pouvait manger la mue comme ça en fait. Et donc ça se fait, ça se fait avec beaucoup d'insectes, ça? La particularité de la cigale, c'est que sa mue a un goût assez puissant, assez intéressant. On l'utilise pas mal pour ajouter du goût, notamment dans des sauces type dressing et autres. C'est pas nécessairement le cas de la mue d'autres insectes. Alors ok, on s'est un peu éloigné de la cuisine japonaise. Mais l'objectif de Monsieur Uchiyama est aussi de faire vivre l'entomoculture et de la faire évoluer, en hackant des techniques culinaires déjà existantes autour du monde et en y incorporant des insectes. Et ça semble être le bon moment pour aborder la question de la place de tous ces insectes dans la culture japonaise. À l'origine, c'était surtout un moyen de manger des protéines dans les régions centrales qui n'avaient pas d'accès à la mer et aux poissons. Aujourd'hui, l'élevage de la guêpe tel qu'il est pratiqué à Kushihara relève surtout de l'activité artisanale complémentaire et moins de l'activité professionnelle. On s'est un peu éloigné de la protéine pas chère, dans le sens où c'est plus un repas occasionnel, gastronomique, et dont l'élevage peut être assez sportif et qui revient assez cher, puisqu'il s'agit d'un animal carnivore dont on ne maîtrise pas la reproduction. La cuisine aux insectes de nos jours, c'est beaucoup plus une tradition savoureuse qu'une nécessité nutritive. Seulement voilà, aujourd'hui cette tradition rencontre une difficulté majeure au Japon. Pas que la demande en insectes diminue, hein. Même si l'entomoculture est très anecdotique dans ce pays, on l'a vu nous-mêmes, les nids de guêpes sont partis comme des petits pains au festival. Non, non. Ce qui diminue, c'est la main-d'œuvre. Que ce soit pour choper des criquets à Nagano ou déterrer des guêpes dans les montagnes de Gifu, le verdict est le même. Il y a peu de renouvellement de la main-d'œuvre, car les jeunes générations s'intéressent de moins en moins aux insectes comestibles. Oh non! Les millennials! Ils ont tué le marché de l'insecte! Mais pour une fois, ce n'est même pas pour des raisons économiques. So younger generation doesn't want to work to collect inago. Even though they can get money much. The harvest season of inago, so one man can earn 50,000 yen per day. 50,000 yen per day? So the best collector can earn 150,000 yen. Allez. Wow. 50 000 à 100 000 yens, pour info, c'est 370 à 750 euros par jour, voire même 1100 euros pour les plus doués, par jour.
Et même ça, ça n'attire pas les jeunes. Du coup, les artisans sont de plus en plus souvent forcés d'importer des insectes de Chine pour satisfaire la demande nationale. Le problème, c'est qu'au Japon, les insectes comestibles sont de moins en moins connus par le grand public. Et quand les médias en parlent, ils ont parfois tendance à présenter cette cuisine comme une bizarrerie vieillotte un peu dégueu, ce qui en mine la crédibilité et menace donc directement la survie de ces traditions. Seulement voilà, cette bizarrerie vieillotte a des implications plus profondes qui vont au-delà de juste ajouter quelques guêpes dans son autocuiseur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entomoculture est une tradition qui lie directement les habitants de ces régions à leur environnement. In Japan, but we still have a lot of nature. À part les vers à soie, tous les insectes consommés au Japon sont collectés directement dans l'environnement, que ce soit dans les rizières, les forêts ou les cours d'eau. C'est un artisanat qui nous vient directement du temps où les insectes étaient une ressource parmi d'autres en complément de la chasse et de l'agriculture. La pratique même de collecter des insectes requiert donc nécessairement un lien fort avec le territoire. Au Japon, déguster des insectes, c'est donc un moyen indirect de se rendre compte de l'état de l'environnement. Avant la guerre, près de 55 espèces d'insectes étaient consommées au Japon, dont la larve du capricorne qu'on pouvait parfois trouver dans le bois combustible. De mémoire d'homme, elle avait d'ailleurs une bonne saveur sucrée. Depuis, avec la révolution agricole, les ressources en insectes se sont amoindries, et on collecte donc surtout des criquets, des guêpes et des zazamouchi. Ah bah, en parlant de zazamouchi, ça aussi c'est un bon exemple de lien avec l'environnement. Le mot zazamouchi est un terme générique qui décrit en fait tout un ensemble de larves aquatiques d'espèces différentes de trichoptères. Et en fonction des années, les types de zazamouchi qu'on va pouvoir attraper peuvent varier. They call zazamouchi the direct, but the species is changing. The environmental change causes the change of species. Zazamouchi now is not so much delicious. Cette nécessité de conscience environnementale se traduit encore aujourd'hui par la réduction volontaire de l'usage des produits phytosanitaires dans les rizières lors de la saison des criquets, ou par la collecte raisonnée de guêpes qui n'épuisent pas totalement la population d'insectes. On nous a raconté qu'il y a 100 ans, à Nagano, une entreprise de vente d'insectes a surexploité les guêpes, ce qui a fortement réduit leur population. Cette entreprise a fait faillite. Le festival de la guêpe de Kushihara est justement destiné à promouvoir une prise de conscience environnementale et une utilisation responsable des ressources locales, afin de ne pas complètement user les populations d'insectes, tout en préservant et en transmettant ce savoir-faire. Via la consommation d'insectes, c'est l'utilisation raisonnée des ressources du territoire qui est promue par ces traditions. D'où l'importance d'une représentation médiatique positive, qui prenne au sérieux l'élevage et la cuisine aux insectes, et qui présente ces traditions pour ce qu'elles sont vraiment. Un lien entre les gens et leur environnement qui se manifeste par un plat d'automne savoureux et familial. Il en va du maintien de toute une culture locale construite autour de ces activités. Je trouve que c'est quand même cool qu'on ait croisé l'équipe de tournage à l'aéroport pour la télé de Tokyo. On voudrait donner de la visibilité à la gastronomie des insectes et à toutes les traditions qu'il y a autour. Et visiblement, ces personnes de chaîne de télévision Tokyo Heat n'étaient pas au courant que dans leur propre pays, il y avait des gens qui mangeaient des larves de guêpes de façon totalement casuelle et pas comme un défi, quoi. Du coup, voilà, on va donner au festival de Kushihara une visibilité de, je sais pas, peut-être 10 minutes sur la télévision nationale japonaise. C'est déjà une bonne action, j'espère, je crois. Bah, ça rejoint complètement ce qu'on essaie de faire en fait. Ouais. Pour conclure, la cuisine entomocole du Japon, c'est l'ensemble des techniques culinaires japonaises, mais appliquées aux insectes, ce qui va donner des usages super variés. Mais pas seulement. C'est aussi l'ensemble des gens qui font vivre et évoluer une tradition promouvant une conscience environnementale forte. Ce n'est pas forcément l'aspect de la culture japonaise dont on est le plus au courant en Europe. Donc si un jour vous avez l'occasion de passer par les régions de Gifu ou Nagano, n'hésitez pas à vous y intéresser de plus près, ça vaut vraiment le coup et vous aiderez à préserver des traditions importantes. Bon, du coup, on a dit qu'on ferait une vidéo culinaire pour présenter tout ça, non? Oh oui! Si vous voulez vous intéresser de plus près aux recettes à base de guêpes et de criquets, n'hésitez pas à faire un tour sur la vidéo qu'on va vous poster dans la description. Quant à nous, nous poursuivons notre tour du monde entomocole. Prochaine étape, le Cambodge.